jour départ, étape la Youn. On ramasse un passager de plus, il faut faire de la place. On aura un Brésilien, c'est une voiture internationale. Un Brésilien, un Roumain, un Cambodgien, un Français. Avec des origines, à mon avis, pas très du Nord. Mais bon, voilà. Marcos du Brésil. Super. Les nouveaux passagers. Marcus du Brésil, nouveau passager. Ah là là, ça fait longtemps que tu es ici, Marcus? Au Maroc, ça fait un mois et demi. Un mois et demi que tu es au Maroc? Un mois et demi, je suis au Maroc. D'accord. Très bien, très bien. Et maintenant, Mauritanie. Maintenant, Mauritanie. Et après? Après, Mali. Mali. Je reste 4-5 mois en Afrique encore. D'accord. Après, je rentre au Brésil. D'accord. Ah ben si je trouve un bateau, ça serait idéal pour moi. Ah, ouais. Sinon, il faut que je rentre en France, je prenne l'avion de la France. L'argent, c'était là-bas? Ouais. Mais moi, je suis le deuxième Brésilien dans les... Voilà. Ouais, c'est Alex. Attends, ça fait trois quarts d'heure qu'on l'attend et il me fait un caca nerveux parce que monsieur a pas déjeuné, tu sais, et qu'on l'a pas réveillé. Je dis, attends, t'es responsable de toi-même. Faut pas déconner non plus, attends. Nous, résident parmi nous. C'est bien ça. C'est bien. Il est tout droit. On va aller là-bas. Je pense qu'il faut prendre de là. À mon avis. Ils sont là. Ça va, Marcus? Ça va. T'as vu du pays, tu vas avoir encore. Il fait beau ici, si c'est joli, joli comme tout. C'est sûr. Désert. Après, il y a la mer, on va rouler à côté de la mer. Profitez bien du paysage parce qu'on ne voit plus rien. Non, on va toujours. Ouais. Je vois, pas dans l'air, pas dans l'air, pas dans l'air.
faux de l'Afrique. Ah ben moi c'est pareil. Tu es faux de l'Afrique aussi. Ouais, ça se trouve c'est bon, t'as vu. Oui, peut-être. Non, mais lui il était de Guadeloupe. Ah, Guadeloupe, d'accord. Il était un peu plus noir. Un peu plus noir. Peut-être mieux monté aussi. Après, il avait un Ryan Monet qui travaillait avec moi. Mais lui, après, il est allé à La Réunion. Ouais. Et elle venait de revenir en France pour voir la France. Elle avait 26 ans. D'accord. Et elle a vu que la France, c'est pas pour elle. Elle a une vie de ville, la France. Ah bah. Oh là là, ça c'est joli.